Et voilà, elle aime pas qui rentre, présenté par Nicolas, Simon, il y aura du Saz. Dans un instant, on aura Roger, son père, qui va nous présenter un peu plus en détail ce fils de Phoenix Rich. Alors, qui était Phoenix Rich? Un fils d'Alart, gagnant de 3 groupes 1 internationaux, s'il vous plaît, avec ses victoires dans la Dubaï Schéma Classique, le Hong Kong Vase, entre autres, et au Canada, le Canadian International. Cette fameuse course groupe 1 qu'avait gagné, entre autres, Joshua Tree à 3 reprises. Mais ici, nous parlons bien du fils de Phoenix Rich, LM Park, très très beau LM Park, qui a commencé sa carrière d'étalon en 2018, où il a été très soutenu par les éleveurs, beaucoup d'éleveurs de l'Ouest, entre autres, puisqu'il a essayé non loin de 100 juments pour sa première saison de monte au Haras du Sas, bien sûr. Il est disponible à 3000 euros. Cet ancien représentant d'Andrew Balding, qu'il a élevé, entre autres, avec sa famille. Andrew Balding et sa famille élèvent sous le nom de King's Clare Stud. Ils ont pas mal de réussite, hein, d'ailleurs, en tant qu'éleveur. Et sur la piste, qu'est-ce qu'il a fait, ce LM Park? Vous l'avez vu tout à l'heure pendant la course de référence. Il avait gagné l'un des meilleurs groupes 1 pour 2 ans outre-Manche. C'est le Racing Post Trophy, qui, d'ailleurs, cette année, s'est couru sans le sponsor du Racing Post, pour la parenthèse. LM Park, qui avait été acheté à l'amiable par Qatar Racing, qui avait également participé au Derby d'Epsom. LM Park, un fils de Phoenix Rich, petit-fils d'Alart, 3000 euros la CI, 1,68 m.